Bonjour, c'est Miguel Jolly Days. Alors la vidéo du jour concerne un pack qui a été concocté sur Jolly Days par un père pour sa femme et sa fille. Alors en fait, la maman travaille beaucoup, elle voit donc très peu sa fille, et le père a décidé donc de leur offrir ce joli cadeau pour leurs prochaines vacances en Guadeloupe au mois d'août. Allez, je vous montre comment il a fait. Allez, c'est parti, donc on va commencer par entrer la destination Guadeloupe, puis les dates de séjour, donc du 16 au 18 août. D'accord? Donc, je vais commencer par entrer le 16 août. Juillet, août. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais rentrer le 18 août. Et voilà. Alors, ne vous occupez pas donc de ces deux parties, à quelle adresse ni me localiser. On fera une autre vidéo là-dessus. Donc, j'arrive sur l'onglet activités et je vais choisir donc mes premières activités sympas pour ma femme et ma fille. Et en l'occurrence, ce que j'avais repéré, donc c'était du jet ski. Voilà. Et donc, j'arrive directement donc sur une liste de prestataires et de prestations avec en premier donc une initiation de jet ski donc proposée par Fabien. Qui est vraiment top, hein. Et en plus il connaît bien son affaire puisque son fils est même le vice-champion de Guadeloupe de jet ski. Voilà, donc je fais ajouter à mon planning, sauf que là, bah, ça ne fonctionne pas comme d'habitude, puisque je ne suis pas encore identifié, puisque je vous rappelle que les prestations que vous mettez dans votre planning vous sont attribuées. Donc pour ça, bah, il faut être identifié. Ce que j'ai fait donc à l'instant, et à ce moment-là, donc je peux maintenant mettre mes prestations dans mon planning en faisant juste ajouter à mon planning, et donc je vais pouvoir choisir la date et l'heure. Donc la date, c'est le 16 août. Voilà, pour deux personnes. Et donc à la fraîche, donc plutôt à 9h. Voilà, donc je fais ajouter à mon planning. La première activité donc est rajoutée à mon planning. Je vais passer à la deuxième et j'avais donc repéré donc, du flyboard. Je ne sais pas si vous connaissez le flyboard, mais c'est un dispositif qui est super, super sympa, super fun en fait. Vous avez l'impression de voler sur l'eau. Vous allez voir. Donc je clique sur flyboard. Et c'est pareil. Étant donné que c'est le même prestataire en plus qui est sur le gosier. Qui vous propose ces prestations-là, vous pouvez même enchaîner donc ces prestations, donc jet ski et flyboard. C'est ce que je vais d'ailleurs faire pour le 16 août. Et je vais mettre donc la prestation à 10h. Voilà, pour deux personnes. Et à 10h. Je vais ajouter au planning. Et à ce moment-là, donc j'ai deux activités super sympas, nautiques. Pour ma femme et ma fille. On va passer maintenant à un autre type d'activité. Il suffit que je clique comme d'habitude en haut, vous avez l'habitude, sur activité. Et là maintenant je vais arriver donc sur tout ce qui concerne les activités terrestres et notamment le 4x4 avec l'un des spécialistes de Guadeloupe en fait en matière de randonnée 4x4. Voilà, avec Bruno, qui vous propose ni plus ni moins une vraie randonnée donc de découverte du volcan La Soufrière en 4x4. C'est vraiment génial. Il faut vraiment le faire ça en Guadeloupe. Et donc cette activité-là, je vais la mettre dans le planning pour le 17 août, le lendemain. Toujours pour deux personnes. Pareil, il part très tôt, parce que ça dure quasiment toute la journée, à 8h, et je fais ajouter au planning. Voilà, donc là, maintenant, j'ai mis mes trois activités dans mon planning. Étant donné que c'est ma femme et ma fille qui aiment bien les sensations fortes, mais qui aiment aussi bien se reposer, donc je me suis dit, je vais leur prendre un hôtel. Et pour ça, donc, vous connaissez ce bouton. Petit bouton noir qui vous donne accès donc directement aux autres univers. Vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur hébergement, transport et sortie. Hébergement donc hôtel. Je clique sur hôtel. Et donc j'arrive sur un choix de chambre. Et notamment donc une super chambre donc située au gosier. Dans un très très bel hôtel, très réputé en plus. Avec qui donne, enfin la chambre donne sur un parc de l'hôtel qui lui-même est équipé d'une piscine qui est à côté de la plage. Donc c'est vraiment super, super accueil, super restaurant, vraiment plutôt réputé. Donc pour cette chambre, j'ai décidé de la leur prendre le 17 août au soir, donc pour une nuit, donc du 17 au 18, une chambre pour deux personnes, voilà, avec un check-in à 15h, ce qui est assez standard. Je fais ajouter au planning. Donc là, elles ont plutôt un planning plutôt sympa. Hein. Voilà, alors maintenant je vais pouvoir aller contrôler, donc effectivement en haut, j'ai quatre activités donc, sur mon planning sur la période sélectionnée. Je vous rappelle qu'en fait, le planning n'affiche que les activités dans la période de votre choix, donc pour ça il faut aller en haut, regardez donc, du 16 août au 18. Et donc vous voyez les activités qui apparaissent, servez-vous des flèches du haut et du bas pour bien valider les activités que vous avez sélectionnées. Et ensuite il ne reste plus qu'à valider votre planning. Voilà. Contrôle vraiment cette fois-ci, plus serré en fait, des prestations qui sont mises en planning avant d'effectuer ma réservation. Avec un montant de 580,14 €, mais vous verrez en fait que vous avez plusieurs moyens de paiement,
Donc soit paiement immédiat, soit paiement plusieurs fois. Voilà. Une fois que ça c'est checké, vous faites effectuer ma réservation. Je vous propose comme d'habitude l'assurance, assistance ou assistance plus assurance. Ça vaut le coup d'étudier la question, parce que l'assistance est vraiment très bien, c'est une assistance et assurance AXA. Et l'assurance concerne beaucoup, pour beaucoup en fait, l'annulation. Donc voilà, pour le coup là, je dis non merci. Je valide mes informations de paiement, donc je peux payer immédiatement donc par carte ou en plusieurs fois, donc en faisant un paiement en trois fois ou un paiement par acompte. Et si je fais un paiement immédiat, ben je fais paiement, voilà. Et si je choisis un paiement plusieurs fois, ben je clique soit sur je paie en trois fois, soit sur je donne à l'acompte. Là j'ai choisi je paie en trois fois et le bouton paiement se transforme en bouton envoyer. Voilà. Et à partir du moment où l'information nous est envoyée, notre service clientèle vous répond très rapidement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention, je remercie aussi toutes les personnes qui nous envoient des messages super sympas en fait suite à la diffusion de ces vidéos, et je vous dis à très bientôt.